this. Eh bien, salut les gars, les filles et les autres habitants de la Terre. Que dire ? Voilà, petite vidéo bilan YouTube, ma vie 3615, ma max, quoi. Je voulais faire une petite vidéo un petit peu récapitulative de ce qui s'est passé sur la chaîne. Expliquer un petit peu aussi comment ça fonctionne pour moi, faire des vidéos, etc. Donc c'est vraiment une petite vidéo, ça devrait aller assez vite. Puis je vous parlerai un petit peu aussi des jeux qui ont pu un petit peu marquer cette année. Donc il y en a plein, voilà, j'ai fait une petite sélection là, rapidement, histoire de mettre quelques petits jeux, quelques miniatures dans la vidéo. Alors déjà, le bilan YouTube, on est parti. Cette année, sur YouTube, j'ai fait 59 vidéos, donc plus d'une vidéo par semaine, ce qui est quand même assez incroyable. 59 vidéos qui ont plus ou moins marché. Donc voilà, ce qui a marché le plus, alors j'essaie de te mettre des screens en même temps, ce qui a marché le plus en fait, ce sont les vidéos trouvables ou pas, les vidéos de collection, et puis les vidéos qui ont été relayées par l'ami DGGX, à savoir les présentations de Shmup Mega Drive. J'avais fait deux présentations. Donc ça, c'est un peu, voilà, c'est les vidéos qui ont été le plus vues. Forcément, donc merci Jay de faire le relais sur certaines vidéos, parce qu'effectivement, ça amène du monde. Et donc voilà, on en vient au monde qui est arrivé sur la chaîne. Cette année, on a 315 abonnés supplémentaires. Ce qui est assez incroyable. Parce que en fait, moi comme je disais au départ, la chaîne, moi je m'étais donné comme objectif d'avoir 500 abonnés et d'avoir des réactions à mes vidéos pour discuter. Et puis pourquoi pas, tu vois, quand je fais des vidéos collection ou des vidéos où je présente des objets, avoir des interactions où on me dit bah tiens, tu connais pas ça, ou ah bah moi j'avais ça quand j'étais petit, mais tu sais qu'il y a un autre modèle qui est comme ça, qui a été vendu à part, nanana, enfin bref, tout un tas de trucs comme ça. C'est vraiment ce que je cherche le plus quand je fais des vidéos, c'est d'avoir des échanges et peut-être même des corrections par votre part, quoi, pour justement peut-être trouver des choses qui me manqueraient, qui pourraient m'intéresser et auxquelles je pense pas forcément. Ça, c'est vraiment, c'est ce qui va m'intéresser le plus dans l'interaction YouTube, quoi. Alors après, il y a les vues. Les vues, c'est bien. 31 200 vues, un peu plus de 31 200 vues sur la chaîne cette année, c'est très très bien. Donc voilà, j'ai dit 59 vidéos, plus d'une vidéo par semaine, très très beau. Et par contre, alors là où je vois que je suis pas non plus extrêmement attractif, c'est que on a sur la chaîne cette année 2500 spectateurs uniques, mais on est on est 860 sur la chaîne. Donc je me dis, tu vois, j'ai un pouvoir d'attraction de 34%, ce qui n'est pas génial, quoi. Mais bon, au final, moi, ça me va largement. 860 sur la chaîne. Donc là, on est... Ah oui, au fait, je vous ai même pas dit, mais bonne année à tous. Puisque là, je tourne la vidéo, on est le 1er janvier 2022. Donc tu vois, rien n'a changé. Hein, le matériel a changé, etc. J'essaierai de te faire une vidéo pour te présenter mes achats de décembre. Si je trouve le temps de te faire des vidéos, on va en parler. Mais en tout cas, voilà, j'ai acheté du nouveau matériel et tout, donc tu vois, là, il y a plus de lumière et tout, j'ai acheté des trucs de gonzesse, tu sais, avec les anneaux où tu mets le portable, enfin, tu mets ton portable au milieu ou ta caméra, et donc la lumière, elle vient directement de face. Donc je pense que le rendu est pas trop mal au niveau de la lumière. Tu vois, j'ai même pas mis de lumière derrière, je pourrais, tu vois, je pourrais faire comme ça. Voilà, pour avoir un rendu un peu plus lumineux. Et donc voilà, 860 abonnés, magnifique. Bienvenue au nouveau, hein. De toute façon, je le dis pas assez, mais effectivement, ça fait plaisir. Plus d'interactions que d'habitude. Vous avez pu me voir sur des chaînes, enfin sur les chaînes des potos, hein. T'as pu voir dans l'introduction, ou on a pu me voir ailleurs, discuter avec Ryu, avec Big Cam, avec des GX, Dams, enfin c'est tout ça. Voilà, ce sont des choses qui sont très compliqués à mettre en œuvre pour moi, étant donné que j'ai un petit bonhomme à la maison. Donc c'est très compliqué de filmer. Que dire, j'ai refusé pas mal d'invitations aussi.
je pense que je dégage un peu de sympathie, tu vois. Donc, il y a des gens qui me disent, oh bah tiens, viens, on se fait une vidéo de ça, une vidéo de ci. Bon, comme je dis, j'aimerais bien, mais c'est pas possible, quoi. Et souvent, les mecs sont assez chauds sur les plannings. Donc, du coup, bon, bah, moi, je peux pas, quoi. C'est mort. Voilà, à titre d'exemple, une vidéo comme on a voulu faire avec, enfin, comme on a fait avec Dams et DGGX sur la SNES, ça nous a mis, je sais pas moi, 3-4 mois pour se mettre en place, quoi. Bon, bref, après, c'est tout, c'est comme ça. Donc, voilà, donc ça, c'est pour la partie YouTube. Pour le futur de la chaîne, j'ai envie de te dire, pas beaucoup de changements prévus. On va essayer de continuer le rythme d'une vidéo par semaine, si possible. Le mieux, ça serait quand même d'avoir un peu plus d'une vidéo par semaine, comme cette année-là, c'est pourquoi pas. Faire une soixantaine de vidéos, ça serait cool. Varier le contenu, moi j'ai envie de te dire non. Par contre, je vais te refaire des présentations de plusieurs jeux, etc. Des sélections de jeux, de 5 jeux, tu vois. Ça, je peux t'en faire pas mal. J'ai pas mal de jeux à présenter. Là, tu vois, j'ai une petite idée pour te faire une sélection de jeux PS2 qui coûte rien du tout, mais avec lesquels tu peux bien te fendre la gueule. Ça peut être intéressant. Donc, tu vois, rester un petit peu dans ce mood-là, tu vois, comme on dit. Et puis, se faire plaisir et rigoler, hein, parce que le but, c'est uniquement de s'amuser. Moi, YouTube, c'est vraiment c'est la septième roue du carrosse, quoi, tu vois. Moi, ça m'amuse, mais bon, tu vois, je m'amuse encore plus à discuter avec les potes sur Messenger ou ailleurs. Et puis, voilà, c'est... Moi, YouTube, j'aime beaucoup, mais c'est tellement compliqué à mettre en place. Si j'avais beaucoup de temps et que je pouvais tourner tous les jours, effectivement, là, je pourrais faire quelque chose de plus concret et plus travaillé. Mais bon, là, c'est vraiment... c'est très, très secondaire, quoi. En tout cas, moi, je vous remercie parce que ça a été vraiment super cool. Jamais d'insultes, jamais quoi que ce soit. Alors, t'as des mecs qui partagent leur OnlyFans et tout ça, là, comme j'avais déjà dit dans une vidéo. Je supprime les commentaires immédiatement. C'est des trucs, je trouve ça débile. Après, bon, bah voilà, il y a des mecs qui marquent juste LOL, ou t'as des mecs qui marquent Prums, ou... J'ai envie de te dire, ça fait partie du truc, hein. Quand t'es un spectacle, s'il y a un mec qui se lève et qui dit Prums, tu le supprimes pas. Hein. Ça, tu peux pas. Il y a 10 prums, hein. C'est pas grave. Tant qu'il n'y a pas d'insultes, tant qu'il n'y a pas de trucs de ouf comme ça. Mais ça n'arrive pas jusque-là. Donc c'est très très bien. La chaîne évolue tout doucement. L'année prochaine, normalement, on va dire fin de cette année, je devrais avoir plus de temps libre. Mais c'est là où on va parler un petit peu de ma vie privée. Si tu veux, en fait, pourquoi YouTube c'est tant en arrière, c'est que donc je travaille à l'hôpital, bon ça tu t'en fous, mais je travaille 9 heures par jour sur 4 jours et mes jours de repos, ben, je garde mon petit. Donc quand j'ai mon petit, je peux pas tourner, tu vois. Et à côté de ça, je donne des cours de danse, donc ça c'est le mardi soir, et puis sinon je fais du sport, tu vois. Donc tu vois, je t'ai même fait un petit bilan sportif parce que c'est quand même cool, tu vois. Parler de mon bilan sportif. Bilan de sportif, tu vois, c'est 60 à 80 km de marche par semaine. Donc ça, c'est au travail. Et à côté de ça, tu vois, sur Strava, j'ai réussi quand même cette année à faire 43 sorties vélo. Non, 43 sorties course à pied. Tu vois, là, t'as le petit récap. Pour 386 km de course à pied. Donc 35 heures et 30 minutes, ce qui est cool. Et j'ai réussi à faire 32 sorties VTT, donc pour 998 km, donc 1000 bornes, quoi, on va dire, et 72 heures sur le vélo, donc ce qui est quand même pas mal. Donc tu vois, mon temps libre, il est plutôt à faire des activités comme aller courir ou aller faire du VTT, ou les moments en famille et tout, parce qu'à côté de ça, faut aller voir les grands-mères, faut aller voir, tu vois, c'est logique, hein. Donc tu vas un coucher de grand-mère, après bah, tu passes la soirée avec ta copine, c'est normal. Hein. Et puis bah, après tu vas faire du sport, puis après, et après seulement tu joues pour toi, et après tu tournes des vidéos YouTube. Tu vois, c'est dans ce sens-là. Quoi. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour le truc, tu vois. Donc même là au niveau du sport, j'ai des objectifs pour cette année 2022, donc tu vois, c'est augmenter encore, tu vas faire toujours plus, toujours plus.
Et donc forcément, bah, ça bouffe encore du temps sur les autres choses, mais normalement, le petit, comme il grandit, je devrais avoir plus de temps pour moi. Bon, voilà. Ça, c'est un petit peu le bilan qu'on peut tirer de la répartition du planning, quoi. Alors, ensuite, on peut parler de quelques jeux qui m'ont marqué cette année. Notamment, Pro Gear Arcade, un shoot'em up, là. Que j'ai bien aimé, je t'ai fait un petit gameplay Pro Gear, celui-là j'ai vraiment accroché, j'ai joué pas mal de parties après. Je te fais pas une critique du jeu, hein, mais enfin moi j'ai vraiment adoré, hein, la musique, tous les effets visuels, tout le gameplay, enfin Pro Gear j'ai vraiment adoré, c'est vraiment un très bon jeu, et puis j'ai adoré jouer à ce jeu d'arcade. C'est du, tu sais comme on dit, hein, c'est du plug and play, hein, tu prends la manette, t'allumes le jeu, c'est parti, quoi. Donc Pro Gear, il y a aussi Thunderhoop Strikes Back, je t'ai fait une vidéo également. Celui-là, j'y ai rejoué aussi pas mal de fois. C'est un jeu qui m'a bien marqué cette année, hein. J'ai été dégoûté de le découvrir que maintenant. Je me suis dit, putain, mais c'est un truc de dingue ce jeu. T'as Son Goku qui balance des boules de feu et tout, enfin bref. C'est vraiment excellent, tu tires sur les ennemis, ils explosent. Hop. Enfin bref, je t'avais fait un petit gameplay aussi de Thunderhoop. C'est vrai que quand il y a des jeux qui me plaisent bien, j'essaie de faire des vidéos, en même temps moi ça me fait une trace comme quoi j'y ai joué, tu vois, et puis en même temps bah, je le présente, tu vois, donc c'est quand même pas mal. Aussi il y a eu quoi en début d'année, j'ai fait Cyber Shadow qui était une sorte de Blue Shadow, tu vois, c'est voilà un jeu de ninja, un petit plateforme action qui était vachement cool. Je t'avais fait un petit guide pour battre le boss final, donc celui-là était vachement bien. Un petit pixel art comme ça, très très bon, hein, Cyber Shadow. J'ai marqué Bloodroots, c'est un petit jeu indé, c'est un die and retry, tu vois, où tu as des espèces de zones où tu dois clean, donc tu dois buter tous les ennemis sans mourir. Si tu meurs, tu recommences la zone, tu vois, donc c'est du die and retry, faut apprendre par cœur. Et puis, donc tu sais, les ennemis ne bougent pas et ils te détectent dans un certain rayon d'action, quoi. Et puis donc après ils viennent sur toi, donc en général c'est du one shot, ils te touchent, t'es mort direct, et donc c'est pour ça que c'est du, tu vois, c'est du die and retry, quoi. Faut revoir à chaque fois ta stratégie et tout, comment tu commences, tu vois, lequel tu es en premier, etc. Donc c'est vachement cool. Bloodroots, si tu peux y jouer, c'est très très bon. Il y a un petit défi, hein, en plus au niveau de difficulté, c'est quand même pas mal, donc franchement ça vaut le coup. J'ai noté Outriders aussi, qui était très beau, et puis qui m'a vraiment occupé pas mal d'heures. Outriders, voilà, je t'avais fait aussi un petit gameplay pour le boss final, parce qu'il est assez compliqué, la pattern est vraiment pas simple. Après, je t'avais marqué Wolfenstein The Old Blood, donc là c'était le DLC de Wolfenstein, je crois que c'est du premier, hein, du New Order, et celui-là ça m'avait bien plu parce que c'est toute une mission annexe où tu vas chercher des documents, enfin bref, dans une forteresse nazie, enfin voilà, un truc de fou. Et j'ai vraiment adoré, très très bon, toujours du Wolfenstein, hein, donc bien hardos au niveau des dialogues et tout. Et puis voilà, la mission, le gameplay, moi j'adore. De toute façon, les Wolfenstein, les derniers, j'ai adoré, hein, le New Colossus et puis le premier là, le New Order, c'était vraiment excellent. Et je t'ai noté aussi en dernier jeu, un jeu que j'ai fini tout récemment là, c'est le Halo Infinite. J'étais déjà sur le multijoueur depuis quelques temps. Voilà, j'avais passé déjà pas mal d'heures, hein, je suis niveau diamant, je crois, ou un truc comme ça. Donc vraiment je suis bien sur le multi. Et donc ils ont débloqué la campagne là, il y a quelques jours, il y a peut-être 10 jours, quoi. Donc je l'ai fini en légendaire. Et franchement, ce défi de ouf, c'est hyper dur. Je peux te dire tout de suite que Halo Infinite, franchement, c'est un genre de Destiny, tu vois. Ils ont été un peu là-dedans, tu vois, des très grands décors, etc. Et en plus, t'as une carte, donc t'as un monde ouvert où tu peux aller débloquer des zones un petit peu à la manière d'un Far Cry, tu vois, où tu vas aller dans plusieurs bâtiments pour aller déverrouiller des zones et puis récupérer du matériel. Et donc voilà, donc j'ai passé déjà sur la campagne, je pense, un peu plus d'une vingtaine d'heures.
Bon, en difficulté légendaire aussi, c'est compliqué. Tu vois, il y a des passages où tu vas rester 1h30, 2h parce que bah, t'es bloqué. Et pourtant, c'est un passage qui va durer 20 secondes. Mais t'y arrives pas, tu vas dans tous les sens. Et donc, t'as le grappin là, donc, qui est super utile, qui va pouvoir te permettre des fois d'esquiver des zones et tout. Enfin, c'est Halo Infinite, j'ai passé un super moment dessus. Et vraiment très content de ce jeu. Alors après, il y en a peut-être plein qui vont cracher à la gueule du jeu. Ça, je te dis pas le contraire. Mais en tout cas, moi, j'ai passé un bon moment. Quoi. Donc voilà. Donc c'était tout pour ce bilan YouTube de l'année. Que du positif, j'ai envie de te dire. Hein. Moi, personne m'insulte, personne me fait chier. Je vais essayer d'honorer plus d'invitations pour cette année. Ça serait cool d'aller un petit peu sur les chaînes des potos pour faire des lives, etc. Ça pourrait être sympa. Et puis bah, garder ce rythme d'une vidéo par semaine, bah, comme je te dis, ça serait cool. Ça serait cool de continuer comme ça, pourquoi pas. Hein. Si ça marche, et tu vois, la 300 abonnés, si c'est ça, ça veut dire que cette année, je devrais avoir 1000 abonnés, tu vois, ça serait un truc de fou. Dans encore 140 personnes, et puis j'atteins 1000 abonnés, c'est un truc que voilà, moi, je n'ai jamais imaginé avoir 1000 abonnés. C'était surtout pour discuter à la base. Et puis éviter de faire, tu sais, un groupe sur Facebook, parce que c'est un peu le bordel, je trouve, les groupes sur Facebook, tout le monde peut intervenir, etc., un peu n'importe comment. Et puis je trouve que Facebook, c'est plus générateur d'emmerde que YouTube. Je trouve que, tu vois, les communautés sont un peu moins ciblées, et pour le coup, t'as souvent des gens qui vont s'incruster, quoi. Alors que là, tu vois, si on vient pas me faire chier et qu'on vient pas dire à certaines personnes, tiens, lui, il faut aller l'emmerder, personne viendra me voir. Donc, c'est comme ça que je vois le truc, moi. Donc, bon. Jusque-là, en tout cas, ça fonctionne bien. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo bilan. Tu vois, j'ai un tout petit peu de temps là pour te tourner une vidéo. D'ailleurs, il faudrait déjà que j'ai coupé, mais bon, je vais. Voilà, j'ai encore quelques secondes. Donc, encore meilleurs vœux pour cette année 2022. J'espère que ça va bien rouler pour tout le monde. En attendant une prochaine vidéo, bah, amuse-toi bien, collectionne bien, joue bien. Et je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye, salut, ciao à tous, salut.